sur sa VOD. Du coup, il fait que je me coupe la parole à cause de ma VOD. Bonjour VOD, Elden Ring, tout ça. Voilà, voilà. Du coup, mon but va être actuellement de... c'est ça l'académie, je crois. Attendez, elle est où? Je vois rien puisqu'il y a des nuages. Là-bas. Ça va être d'explorer un petit peu le coin et d'essayer de rentrer à l'académie Lucaria ou en tout cas de comprendre comment y aller. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces machins qui volent? Je découvre déjà trop de trucs. Ah, mais c'est le scarabée! Mais ils vont me demander trop de mana? Ça me donne quoi? Ça me donne rien? Ah, c'est censé me donner de la mana, je pense. Et j'ai pu level up un petit peu en live. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est trop beau avec les petites fleurs bleues et tout, j'aime trop! Parce que voilà, j'explore un petit peu certains coins et j'ai battu un petit boss. Oh, un dragon, il y a un dragon, je me fais buter par un dragon. Il m'a pas vu. Oh, il m'a pas vu, ça va R, c'est un dragon, ça va R. C'est bien un dragon. Ah, je peux pas invoquer parce que j'ai déjà plus de mana. Un dragon. Explique juste le trésor, il y a forcément de... Ouais, il y a le trésor. Ah merde, j'ai fait une roulade. M'en fous. On est rien à battre. Cours. Marag. C'est un nom de dragon, ça. tu fais one shot. Parce que j'ai pas encore le niveau pour le dragon, moi. Sur ma tête, je sais pas ce que c'est comme casque. C'est un... Qu'est-ce qu'on se maraille? En vrai, je m'en fous de récupérer mes cendres, j'en avais genre 19. Attends, je vais te montrer mon équipement. On peut le retenter le dragon, hein, mais je pense qu'on regardait ça pour plus tard. C'est une tête de diablotin. Voilà. Bah, c'est une tête lourde, mais j'ai pris un équipement léger. Alors du coup, je peux. Cette OS, ouais. Je pense que j'ai pas de niveau, hein. Je m'attendais pas à avoir un dragon, j'avoue. J'ai quand même envie juste de voir combien je lui mets de dégâts si je le touche, parce que là, j'étais trop loin. Juste par pure curiosité. C'était pas du tout par là. C'est là. Mais là, je suis pas de level, hein. On y reviendra tantôt. Oh mais il dort. En vrai j'ai pas... Mais non mais merde, j'ai pris un... Une popo. J'ai pas envie de viser un dragon qui fait dodo tranquillou quoi, ça se fait pas. Ouais je lui mets un peu mais c'est tellement peu. Non je veux pas du tout faire ça, je veux faire ça. Ouais je récupère mes 19 runes. Non. Je vais prendre eux, ils vont l'attaquer. Allez-y, attaquez-le. Mais ce mi-homme. Ah super, je les ai invoqués contre une pierre, ils sont du père les pauvres. Oh mais la pierre elle crame hein. T'en voulez les semi-hommes hein. Je me tire. Mana. Trop loin. C'est mieux, mais ils y vont pas. Je vais péter la cave, mais ils y vont pas. Allez-y, attaquez. Ah, ils sont complètement buggés. Oh la vache, la voque a complètement buggé. Vas-y, bute-les, mets pas leur souffrance, s'il te plaît.
Pas la mienne, moi je vous ouvre pas. On verra ça plus tard. Hein. Regarde sur mon stream sur mon portable. Pas très bien. J'ai l'impression que c'était une tête de croco. Mais ça ressemble, hein. Ça a pas l'air très chaud d'aller taper le dragon. Mais grave, je me suis fait complètement arnaquer par mon invocation. Ça plus tard, là. Par contre, je vais mettre un petit point. C'est vers où? Ce que je sache, c'était là, c'était en face. C'est genre là. Ah bah voilà, c'est là où je suis morte. Je vais mettre un point pour que je sache qu'il y a un truc ici. À buter. Voilà. Je mets plein de points et je reviens jamais à mes points. Moi, mon objectif, c'était de voir un petit qu'il y avait par là. Un village en ruine. Un peu costaud, spécial. Ouais. Hein. En vrai, on pourrait insister, mais bon, autant attendre un peu. Hein. Autant attendre des fois déjà d'avoir un bâton, et ça, normalement, il y en a un. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une plante. D'avoir un bâton qui a une meilleure portée. Parce que le mien a une portée pas ouf. Les fleurs, je les fais pas. Enfin, j'en ai déjà tué plusieurs, mais c'est des sacs à PV, c'est chiant. J'utilise trop de mana pour pas grand-chose. Peu de récompense. Par contre, là, il y a un petit coffre, là. Cette auréolée de glace. Merde, mais j'ai trouvé quoi sur le dragon, d'ailleurs, tout à l'heure? Pas sur le dragon, mais... Pas dans l'équipement, dans l'inventaire. Derrière le dragon. J'ai trouvé des fléchettes de cristal. Je crois. Ouais. Fais équiper de ça, tiens. Mais tu fais chier la fleur là, je suis occupée, dégage! Oh merde! Elle m'éternue dessus là. Dessus. Ah oui, voilà, il y avait les hommes tortues. Ils sont trop mignons. Comment... Ils sont un peu nuls, mais ils sont sympas. Ah, je pensais toucher l'autre. J'aurais bien touché les deux. Ah, ils font des petits trucs de foufou là, ils sont trop rigolos. J'ai plus de mana? Non, j'ai pas le bon bâton. Ah, faut que je reprenne des réflexes, ça fait Puis hier que j'ai pas joué là, c'est faux. Ah, j'ai un emplacement aussi de sort en plus. Oh, par contre, il fait super mal. Voilà. Je m'y attendais pas, j'avoue. Avec un gros gourding. Bref, mon but, c'est d'explorer un peu le coin pour savoir si je peux trouver quelque chose qui me permette d'entrer dans l'académie. Oh, c'est trop beau. Oh, celui-là a l'air plus balèze que les autres, non? On va voir. J'ai rien dit. Donjon cristallin givré. Eh, à l'arc apparemment on peut pas tirer à cheval. Trop nul quoi. Quelque chose ici? Non, y a rien. Oula! Je m'arrête pour lire le chat. J'adore les pages et les open world. Non, du mal avec les Souls. Oh, j'aime pas les Souls non plus, hein, de manière générale. Oh, les jeux sont cool, beaux, intéressants. Trop dur pour moi. Je trouve... Voilà, Elden Ring, encore une fois, je trouve que c'est différent des Souls classiques, mais... Mais après, voilà, je suis pas non plus très Souls. Genre des capas. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu côté... Ah, elle va me tirer dessus, la force. On peut penser à ça, ouais. Il y avait un téléporteur à un endroit, j'ai pas osé le prendre. C'est pris. C'est plus. J'explore un peu par ici. Mon PC a planté. Et pourquoi? Et toi? Oh oui, plein de runes! Je vais trop vite.
non, les plantes, mais faites chier les plantes là, faites chier. Faites chier les plantes. Je veux juste looter. Et vire ton pollen là. J'ai raté. J'ai raté. Moi j'ai tout looté là. C'est ok. Ça va, je m'en suis bien sortie. Est-ce que je peux aller là-dedans? Ça va être ça mon objectif déjà. Faire le tour. Oh non, il y a les pustules. Merde, je me trompais de popo, mais ça m'énerve. J'ai vraiment rien faire aujourd'hui, hein. Il donne combien? 496. Pas dingo dingue. Ah par contre il me redonne des popos. Ça c'est cool. Ah. Et je vais essayer d'y aller un peu discrètement. Je crois que c'est raté, je crois qu'ils m'ont un peu vu. Moi je suis super discret. J'aime bien l'autre se colle à lui en mode mais qui c'était un mec. Y'a pas. Il m'aurait fait mal ce coup d'ep. Trop lent mec. Mouah. Ah il va me tirer un truc qui va faire mal. Oh putain trop stylé, moi aussi je fais ça. Ah j'ai déjà plus de mana. Espèce de nul. Ouais bon là j'avoue j'ai... J'ai dû y aller en roulant. Ah il y a une effigie. Pas l'effigie. Ça veut dire petit con ou plante constamment. Hop mouru, bah oui. Ok, hémoglobine d'air. Voilà, j'utilise beaucoup moins de mana comme ça. Ah, il m'a eu par contre, et moi je l'ai pas eu. J'ai forcé à venir devant. Intelligence artificielle de mes deux là. Il vient pas, il préfère tirer contre le rambarde. C'est bon, il vient. Non, il vient pas. Voilà. C'est sympa ce petit balcon. On a une vue sur un toit, c'est tout bidon, j'ai un lit. Tout pourri. Je peux casser ça? Non, je peux pas. Ça m'énerve, ça prend la place, ça m'énerve.
Pas du tout qu'à tomber. Pas du tout. Non, tant pis. On va s'occuper du mec avec son feu grégeant en priorité. Bah dans les escaliers il m'attaquait pas. Parce qu'il avait pas la porte, enfin il était trop haut. Et surtout Et surtout bah je pouvais difficilement l'atteindre sauf s'il était bien sur le côté. Et en plus il pouvait tuer ses mates alors ça pouvait m'arranger. Arrête. Moi aussi il détruit. Oh ah d'accord, je savais pas que ça faisait ça. Je me mets là. Un petit peu de ça. Ah non, j'attends encore un petit peu. Non, je vais sauver. J'avais pas vu. Je crois qu'il est avec celui-là, là-haut. Lui, il me prépare un truc, lui. Lui, il va avoir une arme cachée, lui. Sans les soucis arrivés là. En bas. Il y avait le gros crabe. Bon. Oh j'ai rien dit en fait, il était à chier. Y'a quoi d'autre par ici? Y'a du monde hein. Attends, petit loot. Est-ce que Raya Lucaria? Ah, c'est bien! Raya Lucaria, c'est ça, c'est l'académie de Raya Lucaria. Je suis au bon endroit, je suis au bon endroit. Voilà, on va visiter. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Oh. Tranquille, d'où tu m'as repéré? Pas mort. Il est mort. Luciole de pierre d'éclat. Mais ça, c'est, je crois, c'est ce qu'on voit, ça, les lucioles de pierre d'éclat. Des trucs qui on voit et qui font. Mais j'ai encore des trucs à explorer. Il y a trop de choses à explorer. Par où commencer? Ah, mais là, je suis derrière tout le monde par là, je pense. J'arrive dans le dos. Oh, c'est sympa le pont comme ça. Eh, regardez comme c'est beau! Pas vu toi? Ah ça a pas marché! Ça devait faire, le coup de... Le coup dans le dos, ça a pas marché. Je suis un peu deg. J'ai plus de magie. Mana! Mage au cac. C'est mon truc. Bon, alors attendez, je sais pas pourquoi ça a pas marché mon coup dans le dos. Normalement, ça a fait une sorte de. Coup. Avec une petite animation là. Ça a pas marché. Attendez, je vais refaire. Et là, ça a pas marché! Oh là là, ça par contre, ça sent. Ça se sent la couille, ça! Ça sent la. Couille! Ouais, je m'en doutais. Mais je vais m'éloigner un peu. On va analyser la situation. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est stylé quand même. Ah, c'est stylé. Je fais rien du tout. Je fais aucun dommage. Dans le dos.
J'ai l'impression qu'il va pas au bout du pont. Et on rend tout pété. Oh oui, d'accord. Mais il se met complètement en biais. Lisse quoi. Les loups. Allez vite, 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 maniez-vous. Maniez-vous les loups. Maniez-vous les loups. Faites des trucs les loups. Faites des trucs les loups. Voilà, comme ça il l'occupe. Bon, ça marche mal. C'est pas grave. Ils sont tous morts. Oh, ils sont morts tellement vite. C'est méchant, mais grave, c'était beau. Ah, effigie. Ah, mais merde, je vais devoir tout retraverser. Par contre, ça, c'est chiant. Moi, je peux les tuer après. Je prends mon temps. Il faudrait que je trouve un feu de respawn avant de le tenter, lui. J'ai tout ça à me faire avant, c'est long. Je peux le faire en courant, mais il risque de m'arriver dans le dos. Super, j'ai les deux en même temps. Pas vraiment prévu ça. Bon, je m'attendais pas à ce que mes invocations meurent aussi vite. C'est un peu désarçonnant. Parce que son feu il fait trop mal. Oh non, mais il s'est fait B, putain. Pour économiser de la mana. J'en avoir besoin. J'aurais dû péter les trucs, je les ai pas pétés avant, j'aurais dû. Ah ! Mais n'importe quoi. Ouh, elle fonce dedans. Tranquille. Oh, elle de merde. Plus de mana, zut. Il me donne. Ok, des popos. Ok, ils ok les popos. Bon, j'ai fait tout le tour, je me suis retrouvée dos au gare. On va refaire le tour pour aller chercher les trucs qu'on a laissés de côté. Je peux mettre ma monture. Oui, je peux mettre ma monture. Ah, oh, on passera peut-être en monture tout ça. Alors lui. Le flemme. Ça va marcher. Ça veut pas, hein. J'éclate, mais pas comme je devrais. Thank you.
quand même chou ce cheval. C'est un chevache. Il est meilleur que n'importe quelle monture de n'importe quel jeu, ok? Il est meilleur que vous tous, ok? En tout cas, ça c'est le raccourci. On va avoir à tous taper, mais on va quand même fouiller le milieu. Je sais pas si commencer par l'énorme machine, c'est très malin. Parce qu'ici, il y a sûrement des trucs à explorer quand même. Elle est par là. C'est quoi toi ? Je peux les lire. Vos doigts, je vous prie. Vos doigts. Oh, on demande pas comme ça, hein. Allez, je monte mes Didi. Soyez bénis. Elle va me faire un truc à l'envers, elle. Faveur de Michaela sera vôtre. Massacre sans fin. Celui qui entend tout. Enfin. Mais hélas, plutôt non. Arrachez l'objet de votre convoitise. Au gros pot. Je vais l'arracher au gros pot. Et pitié de ce pauvre fou. Je peux partir. C'est quoi la bénédiction? J'espère que c'est une vraie bénédiction, hein. C'est pas un truc qui va me baiser encore, hein. C'est pas comme j'aime. Peut-être être un affront loin de la nature, mais c'est juste une vieille, enfin. Tu dis ça à chaque fois que tu vas au marché? Pour moi, il y a que les vieilles qui vont au marché, mais... Bon. Allez, on centre encore. Je pense que dans les recoins, on peut trouver des trucs. C'est un peu chelou quand même. Bah, dis des trucs de vieille quoi. En quelle vieille n'est pas chelou? Donc, quand je serai vieille, je serai super chelou. C'est pas que quand je serai vieille. Là, du coup, une apparence chelou. Bah, comme toutes les vieilles. Je vais dire ça à chaque fois, tu sais. Ah, bah, je suis de nouveau dans le dos de tout le monde. Oh non, la plante, elle va m'attaquer de loin là. Laisse-moi tranquille. Ah bah tu viens m'attaquer à la main toi. Oui, oh, t'es body. Voilà, t'es content? Je trouve que t'as fait ton devoir là. T'es nul. Eh, ton collègue était trop nul. Bon bah c'est inhérent à la prophétie. Ça me fait trop peur. Ah mais du coup j'ai tout buté ici. C'est pratique au moins. Au moins je suis à l'aise là.
pas plus tout péter tranquille. Du coup, il abandonne son engin, mais oui. Parce que je pense qu'il veut pas la tourner, en fait, de gauche à droite. Peut-être seulement la lever. Pas la tourner. Ouais, je vais tout lever. Ok, j'ai un 10, j'ai connu. Ah, je connais ça, ça. Bon. Du coup. Mes invocations, elles font éclater. Vas-y, faites des trucs. Je vous regarde. Vous allez être super. Bien joué. Ils sont sur lui-même, l'enfoiré. Oh. Au tapis. Un carnage. Ah oui, je le visais plus. Magie à ce moment-là. Vite, vite. Super. Ça passe à travers la roche, bon, c'est trop bien, c'est pratique. Hein. Aussi, il faut avoir des sorts qui passent à travers la roche. J'avoue que ça m'aiderait. Allez, tu le... I did it. Eh bien. Une fleur de feu. Fire flower. Utilise un invoque pour distraire. Et qu'à côté, tu as pas tagué. Mais oui, mais je veux pas taguer parce que t'as vu où j'étais aussi, c'était compliqué là. Je se retourne tout le temps et tout. Non, mais ça va, j'ai très bien géré. Je les ai envoyés à la mort. Donc je me reposais. Et après, j'étais frais et dispo et voilà. Frais et dispo. Non, je vais tromper topo. Non. Ça me redonne toutes mes popos. Mais c'est fantastique ça. Toi la mais oui, Chris se dit des trucs. C'est trop triste. Et puis droite seigneur, il y a là. Oh, une petite porte. Oh, elle est fermée, Léonc. Et ben ça, si j'avais... non, bah, je crois qu'en fait, il n'y a rien. Bon, si j'ai looté les trucs sur les corps et puis par terre, voilà. Mais à part ça... Rien d'autre. Je vais quand même en faire un petit tour en mon tour. Hein. Vu que là, je crois que j'ai plus d'ennemis. On va voir quand même s'il n'y a pas un petit point à visiter. Après, c'est pas immense. J'ai trouvé, j'ai enfin trouvé un endroit qui était caché et où il fallait taper pour faire apparaître une entrée. Du coup, c'était pas du mytho quand on m'a dit ouais, non, mais des fois il y a des portes cachées, il faut rouler dessus contre un mur ou taper contre un mur et hop, ça apparaît.
Moi, je pensais qu'on me disait encore des infos de chat super nulles. Et en fait, c'était vrai. Bon, je vous crois toujours pas, mais c'était vrai. T'as fait de l'entraînement Fall Guys cet après-midi. Ah, il y avait un truc par rapport à Zedland. Et de voir si c'est comme dans Zelda, tu casses tout et tu vois s'il y a un petit stuff dedans. Mais oui, évidemment, bien sûr. Totalement, j'essaie de faire comme dans Zelda. Je vais avec... Ah, à chaque fois, un cri, là. Carte lieu de rendez-vous. Vous avez trouvé une carte rudimentaire consultée là depuis votre inventaire. Ah. Ah, c'est pour savoir comment passer. Ça va me tuer. Ça va me tuer. J'ai mis le saut. Attends, déjà, on va regarder la carte de l'inventaire. Alors, lieu de rendez-vous. Non mais faut... Tiens ! Tu as le tab. On va pas faire rien. Peut-être. Oula. Voilà, c'est fait. ID de capture. Ouvrir. Voilà, elle est là. Ça, nous l'aurons. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je fais B. On va regarder le saut vite fait. Ah, d'accord. Alors, je pensais juste voir le saut, puis examiner la map pour trouver cet endroit-là. On y a, entrée la cuve. Ouais, c'est toi de la cuve. Ah, c'est juste pour voir comment on joue, on fera ensemble. Mais t'es caté, tu seras parfait. Comme sur Worms. Pardon. Attendez, on est d'accord que là... Au grand aussi, moi. Genre là... Ah mince. C'est genre là. Pensant. Oui, c'est que ça, mais de toute façon... Mais c'est là où il y a le dragon, le lieu de rendez-vous. C'est facile, ça va, j'avais pas besoin de faire une capture d'écran. À vous. Ok. On verra ça plus tard, hein. Alors du coup, je suis à Lurnia. Et un ascenseur. J'ai un peu peur. Je vais pas. J'ai déjà paniqué, au bout de 20 secondes. Non mais je voudrais voir ce que ça fait quoi si je prends ce saut là. Un endroit précis où il y a le dragon. Tout à fait, tout à fait. Ils peuvent juste passer. D'accord. Et si j'examine. Tout à fait. Ça c'est un portail. Eh ben. Ok, ok, d'accord, c'est intéressant. Oh, c'est martial. Oh, il y a la vieille! Madame la vieille bizarre! C'est moi qui ai dit qu'il était bizarre, c'est Wolf sur mon chat. Il est vraiment irrespectueux. Les jeunes d'aujourd'hui. Oula. Encore mes doigts! Ça va. All you can do is stand without even les demi-lunes. Je demande qu'à être assemblée. Oh, mais je les ai, les demi-lunes, je crois. Enfin, j'ai les deux. Le grand ascenseur qui demeure de moi. Trouver le passage des lâches vers la sombre caverne. Oh là là, ça juge un max. Hein. Et... Oh, je suis là, d'accord. D'accord, ok.
Bon bah je vais déjà prendre ça, hein. Comme ça on pourra se TP facile. Et jeune, j'ai 29, bientôt 30. Oui bon d'accord, t'es plus vieux que moi. Mais pour elle, t'es un jeune malotru, hein. Alors cesse de faire ton malotru. Et respecte un peu les vieilles même si elles sont bizarres. Un jour toi aussi tu seras une vieille bizarre. Même en tant que mâle. On est tous des vieilles bizarres. Bon, je repasse dedans, on verra. On va voir avec l'ascenseur. C'est bizarre. Non, non, une vieille. Allez! Hey, ça va faire des petits guillis au ventre. Ah, mais ça va m'envoyer devant un boss ultra, ultra balèze. Ça a l'air trop stylé par contre. Ça a l'air ultra giga stylax. Je vais tout péter. Ciao. Il y a des rubis. No rubies. Rubé. Ah. J'ai tout cassé. Ah. J'aime trop cet endroit. Je vais en faire ma maison. Attends, je vais te libérer, oiseau. Par ici. Graisse magique. C'est comme ça que t'appelles ta graisse, toi. Très bien. Vous avez vu, vous. Oh, c'est des mages. Ah là. Putain, moi aussi je joue là. On a les mêmes sorts. Moi j'y utilise mieux. Allez, j'ouvre la porte. Eh bien cette chanson, ouais, c'était Kaiser Chief ça. C'est pas dans Zelda. Mais si, on est toujours un peu dans Zelda. Oula. Oulala. Oulala. Je vais prendre cette petite... Ah, je peux pas. Prendre ça, hein. En vrai, j'aime pas prendre quand... Ah d'accord. Oh non, ils sont chiants. Et ouais, ils sont tout foufous. Ah oui, ils sont tout foufous. Et moi, ils m'éclatent la gueule parce que c'est tout foufou, là. Arrête, c'est tout foufou. Ok, il m'a éclaté la gueule parce qu'il est fou. Ok, j'évalue sa portée. Eh. Et ok, pour l'instant ça échoue, c'est un échec, hein. Je galère un max. Et voilà. Apprends à utiliser ta baguette. Tiens. Fais tout, je suis une rebelle chez les mages. Écrire Born to be Wild sur les murs. Comme ça, ils feraient rebelle. Et regardez Sonic. Oh, arrête! Ils sont tout foufous ceux-là! Moi, je joue pas, ils sont tout foufous! Ah, ils sont tout foufous!
Ah non, pas au cac, pas au cac, pas avec eux. Ah, surtout foufou. Oh, mais je veux pas. Bon, c'est bon, ils ont arrêté là de décorer les plafonds. Ça tombe de partout, c'est porte nawak. Est-ce que je peux vider ça? Oui, mais ça fait rien. Et j'essaye. Je suis très rock musique de jeux vidéo. Ouais, pour moi, rock, punk, metal, country, musique folk, musique païenne. Ouais, musique païenne. Musique, musique viking. Bon, je suis tout pété. Ouais, je suis trop rock, moi aussi. Ouais, une rebelle. Je suis un peu comme Sonic, quoi. Ok. Rebé, 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 rebé. Tu as invoqué la lèvre de mon frigo. J'ai obligé de lui péter la gueule. C'est trop bien. Mais y a pas de, y a pas de cadeau. Franchement, y a pas de. C'est tout quoi. Non, j'ai tué des mages et c'est tout. Pas de récompense. Oh là là, je suis déçue. Y'a rien de plus. Y'a rien à faire ici. Oh, je suis déçue. Je voulais un nouveau bâton, des nouveaux pouvoirs. Ah, voilà. Bon, la pierre, pierre de forge pour améliorer, c'est bien. Hein. Eh bien, c'est bien, mais j'ai l'impression que j'en aurais trouvé de toute façon. Je sais pas, c'est pas un cadeau de mage, ça. Moi, je voulais un cadeau de mage. Je voulais des pierres précieuses. Je voulais des sorts. Bâton de sorcier. Cap de mage, un peu stylé là. Oh, il y a. Ah, il y a un gros ascenseur. Bon. Eh ben, on va aller par ici. C'est tout foufou ça ou c'est juste. Ah non, c'est juste les squelettes. Oh, c'est... Ah, ils sont foufou les squelettes. Oh, oh là là. Choqué celui-là. Ils ont beaucoup de vie, hein. Regardez-moi ça. Oh, les sacs à PV. Beaucoup trop long. C'est pas mon arme de prédilection, hein, mais bon. Oh, j'en ai marre. Je vais utiliser toute ma mana pour deux squelettes. Enfin, deux zombies, plutôt. T'as déconné, quoi. Et aussi c'est porte nawak. Ah, ah, ils sont. Oh, ils sont. Ils sont. Oh, oh non. Oh non. Il y a toute une grappe de zombies, quoi. Pas la saison, les gars, là. Non, c'est marrant. Oh, je sais ce que je peux faire. Oh, si, attendez, I've got an ID. Ça fait des dégâts de groupe, ça. Oh non, trop, trop, trop. Non, mais arrête. Oh, oh non, il me suce. Oh non, il me suce. Mana, j'ai plus mana. Ils sont insupes ceux-là. Au moins un. Allez viser. Ça me demande trop de mana. Mais merde, je me fais avoir.
laisse pas, il va me buter. Oh, je suis dead. Oh, ils sont trop durs ceux-là. Le silence. Je vais jamais avoir assez de mana pour faire tout ça là. L'avantage c'est que je suis à côté. Hey, c'est full rocker dans le chat. Bien, j'aime bien. C'était, c'est à peu près la musique de prédilection, mais en fait, je suis quelqu'un qui écoute assez peu de musique. Et depuis que je stream, c'est beaucoup la musique non copyrightée, étrangement. J'adore ça. Beaucoup de choix. Hein? Et merde, je me fais avoir à chaque fois. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu sa vie, je crois, ou un truc comme ça. C'était stylé en fait, c'était métal ça justement. Là-bas, je voulais looter le truc qu'il y a là-bas. Ah oui, c'était comme ça que je m'étais fait avoir la première fois. J'avais oublié. Ah mais en fait, il me suce ma mana. J'ai compris, je viens juste de comprendre, j'avoue, j'ai mis du temps. Ton set de mana, quoi. Oh, mais pourquoi ça fait si haut? Super haut quoi. Tout le mana pour R. Bon, à l'épée hein. Culade. Je me tire. Arrête! Putain! Olé. Ah! C'est peut-être qu'aussi parce que je les attaque avec un truc de magie que bah ils sont très résistants à la magie parce que au contraire, en fait ils se nourrissent de mana. Bah, je leur fais vraiment très peu de dégâts parce que ça me prend en mana pas deck. Des gars. C'est lui que je vise. Non mais putain, ça me fiche le mauvais. Et ben, et dire qu'ils vont respawn à chaque fois, ça va être compliqué. Je veux fou, je passe ultra gaffe. Tant pis. Je prends du soin parce que bah. Je me fais attraper deux fois et je me... Même derrière hein. Il me saute tout le temps de dessus du côté là.
Merde. Oh, ça va le temps de frapper avant qu'il commence. Et en plus, il me donne même pas de mana, rien du tout, quoi, quand je tue des groupes. Parce que normalement, quand on tue des groupes d'ennemis, à la fin, on a le popo de mana et de soins qui sont régénérés. Et là, j'ai tué tout un groupe et j'ai rien eu en échange. Yo, Gaël. Ils te font coucou. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais regardez tout ça. Non, mais c'est... Y a dead, quoi. Oh, on pense de quoi. C'est un moment. Non, mais plus. Waouh. Il y a trop long en fait cette phase là et voilà. Et là je suis dead. Pas dead mais. Il ne sera tardé. Oh non, qui est tombé dans le vide tout seul. Oh putain, j'ai failli faire la même. Non. Non. Non mais. Gage. Ça va. Quand ça suicide, ça va. Quand je suicide, on va dire. Le dogo. J'ai entendu un bruit. Ah, je savais que j'avais entendu un bruit, je savais. Siou, siou. Y'a qu'un, hein. Y'a pas qu'un. Une nana. Là, donne-moi du loot là. En fait, je peux avoir une récompense après avoir fait tout ça ou pas? Oh, j'ai une patte de volaille. Bah super. Et là, il y a. Ah, ah, faut que je vais passer, allez me faire foutre. Reste magique. Il y a un dogo. Il y a un autre dogo. C'est la fin. Un champi. En tout cas, j'ai looté un champi, je suis bien contente. Entre ça et ma patte de poulet là, je me sens pas du tout arnaquée. Entre vie. Ça va. Tout se passe comme sur des rollers, s'il te plaît. Un endroit où je pourrais me reposer, ce serait super sympa. Ce sera pas ici apparemment. Excuse les loups qui me suivent là. Franchement, je peux les faire. Non, pas dans le vide. Là, pas dans le vide. Pas dans le... C'est dans le vide. Non, ça va, c'était fait exprès en fait. Ta-ta-ta-ta. Ah, il y avait un chien qui était à côté de moi. Elle va faire un truc trop stylé en fait, trop pas. Il y a 1444 km. Non, oh, je vais pas là. Non, c'est bon, ça. Arrêtez en fait. Too much là. M'en fous de vous. Je m'en fous trop. Bande de nuls. Vous êtes trop des vilains. Ouais, je dis les mots, j'ai pas peur. M'en fous, je me casse. Hop, en marchant en plus. Non, je déconne. Ah, je peux ouvrir ça. Oh, plus tard. Pas le time en fait. Le chien par contre, faut pas déconner. Et là, je me tire. Ok.
Ok, ça va, je peux récupérer facilement. Par contre, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que je suis suivi là? Un peu de loin on voit, mais je pense que ça va en fait. Bon là, y a un truc là. Un truc. Je peux invoquer. C'est méchant ça. C'est méchant toi, hein. Méchant, hein. Ouais, je savais que t'étais méchant. Ah, t'es grand en plus. T'es grand et t'es méchant. M'en fous, je peux faire des méchants. Ah! T'as peur! Oh, ton épée est belle! C'est un méchant. Ouais. J'ai beau avoir qu'un petit bâton en bois. Commandé chez Wish, il fait plus de dégâts, mec. Ah! Oh, t'es trop méchant. Non. Le grident, c'est grand. Ouais. Run for your life! Run for your ass! Yes! Je peux pas monter? Oh non, c'est trop méchant! Ah, c'est bon. On y a cru. Non, mais ça a été, c'est bien passé, regardez! Hop, j'ai tué le méchant. Vous l'avez pas tué. Vous jouez pas au jeu? Certain. Puis gravitationnel. Un nouveau sort? Dis-moi que c'est un sort. Tell me that's a sort. Ah non, bon truc. Ouais, j'ai un nouveau sort! Attire les ennemis vers vous. En fait, moi je préfère les éloigner puisque je suis à distance. Agis cette saloperie! Ouais, mais elle était trop méchante. Et je. Je l'ai punie. De sa méchanceté. Bon, bah c'est fait ça! Ça c'est un truc qui est bien fait. Alors, on va refaire comme tout à l'heure. Hop. Ça me mène où? À un moment ça va basculer dans l'autre sens, je vais avoir l'air un peu conne. Wouhou! Ça va, tout est prévu. C'est quoi ça, c'est des chiens? Non. Oh, pardon. Un peu de l'overkill là, je pensais pas. Mais j'ai eu peur aussi, là on m'attaque tout le temps. J'ai mon épée pour casser. Là où il y a des rubis. Là-bas. C'est moi tout cassé, ça va là! Viens vous sauver, putain! Petite flèche de cristal. Sympa, hein. Ça fera joli dans mon décor. Mais en vrai, je m'en servirai pas. Je m'en sers pas. Comment je monte là? On va pas comme ça. Tenter, hein. C'est le max. Tiens, ça c'est bien ça. Hey. Et tu vois là. De grâce. Je suis toujours pas dans Zelda, mais arrête. Le Kenta. Il est passé des heures et des heures à l'endroit où tu es. Pour essayer de dropper l'épée finalement en vain. Ah, on peut dropper une épée? Ah, moi je joue pas à l'épée. Enfin que... pour tout ce qui est économie de mana quand je peux achever un ennemi et tout, mais j'aimerais bien savoir s'il y a un endroit où on peut dropper un bâton, moi. C'est ça qui m'intéresse. Bon, j'ai eu le sort, mais le sort va pas m'intéresser beaucoup. Faudrait que je me renseigne en vrai. Ça, c'est le genre de truc, on peut pas le deviner seul. Et moi j'ai plutôt tendance à faire tous les ennemis une fois, deux fois éventuellement, mais je vais pas les spammer de moi-même, du coup bah s'ils lootent des trucs, je saurais pas. Mais c'est bon à savoir en tout cas. Ah putain! Fiji, ça va pas là! Fils de méchant! C'est marave avec mon épée. Ah, on joue même pas à l'épée. Ça va là? La réunion des têtes de pierre. Moi aussi j'ai une pierre en tête. M'en fous, je t'achève. Arrête. Ah! Ça là! Comme ça qu'on veut qu'on vise bien.
Équipement toutes les herbes que tu possèdes. Les monstres peuvent être... Possèdes les monstres peuvent être droppés. Oh mais son bâton était peut-être vachement bien à l'autre là. Ah. Ah. Ah non, il avait une épée, il avait pas un bâton. Ah ouais, donc on s'en fout en fait. Et ça, ça veut dire que les ennemis qui ont un petit bâton peuvent me le dropper à moi. Ok. Merci pour l'info. Oh, bisous, Ralsei. J'avais pas vu, tu veux te coucher? Ok, merci beaucoup. Des bisous, bonne nuit à toi. Ouais, je sais pas, j'ai pété des trucs. Allez, on avance. Oh, ça sent le piège, ça. Moi, je vais aller dans le piège. Accroupi. Parchemin de cursus. Ouais! Ça va pas finir mon mémoire. Manuel d'artisan des pierres éclairées. Mais là, j'ai dit tiens là. Je sais pas ce que c'est un parchemin de cursus, mais je suis sûr que c'est vachement bien. On va regarder ça tout de suite. Je suis trompée. Je sais pas où c'est les trucs. Ah mince, c'est où le parchemin de cursus? C'est ici? Hé, hey, où mon parchemin? Oh! C'est des manuels, ça. C'est des manuels. Ah, mais si, ça! Bon, pas du tout. Toujours rien pour les bâtons. Hein. J'ai une nouvelle épée? Enfin, j'ai une nouvelle épée. J'ai d'autres épées. Cherchez quoi déjà? Non, mais ça m'énerve là. Il y a trop d'onglets. Oh, c'est pas grave. J'ai eu le parchemin de cursus. C'est juste un objet avec lequel je pourrais faire interagir quelque chose. Tout ça. Putain! Merde! Et où le parchemin? Ben. Une porte ça? Non, c'est une tajaire. Des petits nobles zombies tout pétés. Tu l'as tué tout à l'heure? J'avais 0,5% de chance de la dropper. Ah ouais, non, mais d'accord! 0,5%! Mais là, c'est pire que de la chasse au shiny là. Défonce. Merde là. Le dos. Il était discret, ça va. Voilà, c'est ça, ça devait faire tout ça. Ah merde. Il m'a parlé du gros pot. Putain, il y a un big pot. Une mana. C'est pété le pot du tout. Qu'est-ce que c'est? Fragment de vive jarre, ravioles de viande crue. Oh du thon, bah c'est bien, j'ai un bout de poterie cassé et de la viande avariée. Bien. Où je vous nique. Ah mais non mais c'est bon, ça me fatigue là. Je m'en vais. Fatiguant. Bonne vache, comment c'est pas marrant. Arrête. Je me fais niquer! Il faut donc que les autres ils se spamment contre le mur là! Arrête! C'est bon, t'as plus d'endu là! Juste le tue lui! Voilà, les autres on va voir. On va analyser un peu la situation.
sont trop nuls. Putain, j'essaie de viser, ça veut pas. Vise-le, merci. C'est magique. Vite, vise-le. Il veut pas. Allez, vise. T'en supplie, vise-le. Soulève la paix, tu vois, sous le. Oh l'emmerdement tout complet, quoi! Aucun fun, hein! J'ai tort des pantoufles, j'aurais dû racheter des cailloux là, j'avais plein de trucs. Enfin, je devrais faire ça des fois. Mais oui, j'ai des trucs en plus, pourquoi je le fais pas? T'as des cailloux, mais j'ai des bombes, des trucs comme ça. Faux rituel. Super. Je crois que c'est ça dans la vie, elle me parlait, non? Oui, bah on est compris, les dames, les démons. On n'a pas de fun. Le fun, on connaît pas. Hein. On préfère s'emmerder. Économiser la mana un peu. Hein. Tiens. Et ouais, je pète tout chez vous. Contre deg là. Bon. Ah, je peux pas péter les tableaux. Pour le symbole, ça aurait été pire. Reste loin. Arrêtez de faire ma wak. Je vais avoir un endroit où me reposer. J'en ai un peu besoin. Remettre des doigts crochus, ça servait à quoi ce truc déjà? Pas très discrète l'ami, ce bout, ça va, ça c'est ce que je peux là. Tant de discrète là, tu vois pas que tu es discrète là? Bon, 0 vie, 0 PV, ça me semble super. On va aller se régénérer, hein, mais y'a rien à proximité, sérieux! Y'a rien! Ça m'énerve! Ça fait quoi ça? Imaginez une grosse musique de la street sur tous mes gestes de délinquante. Sérieux, il y a vraiment pas d'endroit où se reposer plus proche. C'est impossible de ce côté. Je peux voir le raccourci, madame. Oui, bah ça va, j'ai... Ça va, moi j'ai compliqué déjà. Hein. Déjà, j'ai plus de mana. Alors, c'est pas facile de se concentrer quand on a plus de mana. Quand on est mage, on sait ça. Vous les non-mages, vous savez pas.
Nous nous sachons. C'est absolument disproportionné parce qu'il y a une vraie tête dedans, je pense, et du coup faut l'enrouler. Mais c'est que ça doit être un petit peu lourd pour les cervicales. Oh là là, j'avais oublié qu'il y avait des ennemis. Allez par là, moi. Un cadavre. Ah oui, si. I remember that. Comment j'ouvre le raccourci? Ah bah c'est ça le raccourci. Non mais non, arrête. Ah. Ça pète un peu avec ton épée bleue. Arrête! Raccourci, il donne sur quoi? Je vois pas d'autres portes là. I don't see any doors. Bon, on va continuer d'explorer, c'est pas grave. Mais je loue. T'as un petit Rio sinon. Tranquille, laisse-moi tranquille. Il faut que je cours. Je vais me taper ça à chaque fois, ça va être compliqué. Hein. Allez, j'y vais. Oh, j'aurais dû utiliser mes trucs. C'est beau, ça a l'air beau, ça a l'air beau. Franchement, j'aime déjà cet ennemi. Il est trop beau. Oh là là, il a une épée. Putain, c'est ça, Sian. Mais les mobs ils sont beaucoup trop lents. Oh t'es trop fort. Je veux pas être mon mate. Les autres sont à chier. T'es trop fort. Il me faudra des ennemis un peu plus rapides. On va utiliser les loups. Objectif, tu dois crochu et d'aider l'hôte des doigts. Il est BG, mais grave, il est trop sexy. Quoi. Non, il est trop. Moi, je veux ce mate là, moi. Ah, j'ai fait du bruit. Ah non, mais je peux faire exprès. Pourquoi vous avez des bouquins partout là? Oh, mais c'est bon, mais. Je vais crever. Non! J'ai esquivé 20 minutes, j'ai perdu 13 000. Bon bah j'ai plus de pression. Moi je m'en fous, je vais en courant. Fous-moi la paix, connard. Pas de raccourci en plus. La paix. Perdu 13 000, merde. Je devais les utiliser justement et je l'ai pas fait. Ça pour remourir instant quoi, vide. J'ai même pas encore fait de dégâts mec, c'est bon, tu vises les autres là. Je aussi t'embête. Voilà. Déjà one shot. Pas non plus.
trop beau, mais grave, il est trop beau. Il est trop casse-couille aussi. Voilà, regardez comme il est beau là. Regardez. Mec. Ah, de l'autre côté, tiens. Oui, il est pas de l'autre côté, pourquoi je me fais chier? C'est bon. Bon, les loups, c'est pas spécialement du haut. C'est des ennemis de jeux vidéo très très communs, hein, Dark Souls ou pas. Hein. Ok. Par contre, j'ai un terme pas plus près quoi. Là, je suis trop mal placé, c'est trop chiant. Je me tape mon petit passage à chaque fois. Avec l'épée dans la gueule? Bah ouais. On est dans Pokémon déjà. Putain, il m'a fait mal. Ça sert à rien, je vais aller. Je vais aller faire ça. C'est un petit dodo, hein. Objectif de Dark Souls 3 plus beau. Oui, bah perso, je le connais pas. Voilà. Ouais, et puis même dans Zelda, tiens, d'ailleurs, on est... Alors, pas en boss, hein. Évidemment, on peut taper à l'épée quand on est en forme de loup dans Twilight Princess aussi. Et les mouvements sont quasi les mêmes. En vrai, ça va, c'est quand même commun. Vas-y, faites des trucs, s'il vous plaît. Je t'en supplie. Voilà, comme ça, comme moi, là. Comme moi, j'ai fait, là. Oh ah, je... ah, encore le pas de pire. Ah, mais mes invoques servent à rien, il est trop rapide. Je sais pas pour le faire maintenant, je pense. Hein. Ah, j'attends de pecs un peu. Hein. If, non, on parle pas du produit ménager, infernal antique. Père de famille qui se réveille, t'es sif, hein? Les trucs qui a débougé? Je connais, moi. J'y vais. Bon. Qu'est-ce que je change d'invoque, hein? Enfré. En fait, tu te fous. Ah oui, non, pardon. J'ai compris le siphon. Pour les siphons et pas de sillon interfécié. Sillon interfécié, si, c'est sillon interfécié. J'esquive tellement que je ne peux pas après faire de dommages. Il m'éclate beaucoup trop la gueule là. Bon, je vais voir si je peux trouver une autre invoque. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop lents. Lui, il est vraiment vraiment rapide. Même les loups sont trop lents, ils n'arrivent pas à l'atteindre. Attendez, on va regarder. Ah, j'ai eu maintenant les miliciens squelettes. Peut-être tenter les miliciens squelettes ou alors sans soldat de Raya. Mais soldat de Raya, il va tout lent. On va tester. C'est quoi, on va tester. Changer. Et eux. Et là, je vais changer aussi. Je vais voir la méduse. Voilà, un gros méduse. Non, mais il demande beaucoup trop de mana à lui. Ici, un squelette.
Bah, je vais tenter ça. Esquive! Amelia, tes invoques? Je sais pas comment on fait. On m'a dit ça plein de fois. Je dis bah non. Le jeu il m'a jamais dit voilà, pour améliorer tes invoques, faut que tu fasses ça. Bah non. Jamais rien trouvé qui me permettait d'améliorer mes invoques. De faire ton loup, on a compris que t'étais agile là. C'est un renard en fait, quelque part. Un renard. Un renard. Ok. Oh, ouais. Ouh bah mes invoques sont trop pourries. Et 40 heures de jeu, je sais toujours pas comment avoir des bonnes invoques. Lorsque vous portez plus de 70% de votre charge maximum d'équipement, vos roulades sont ralenties. Du coup, c'est l'emmerdement maximum. Il y avait écrit. Maxi Runard. Un relou, pour ceux qui ont la ref. Il est loup et relou. Moi, j'ai la ref de ce que c'est qu'un relou, hein. Ouais, j'avoue. Enfin, moi, j'ai la ref, moi. Je passe pas spoil. Ah si, dis-moi, parce que si c'est un truc que je découvrirai qu'à la fin du jeu, bon bah je préférerais l'avoir avant. Parce que bah c'est le genre de jeu où en fait t'es obligé d'aller sur internet savoir pour savoir les choses. Docteur relou, Mister Connard. Voilà. Tu le découvres au début. Bah non alors. Bah, pas moi. Hein. Mais bon, ça va être comme le genre de truc où on me dit oh mais t'as raté un truc que t'as pas fait, voilà, t'as pas fait attention, machin. Et en fait c'était un truc complètement aléatoire que je pouvais pas du tout savoir et que les gens ont juste eu de la chance de tomber dessus. La fille qui t'a donné la méduse. Ah bah ça c'était à très très peu de temps déjà. Parce que bah moi les PNJ je savais pas qu'il fallait leur parler 15 fois. Je pensais que voilà ils te donnaient l'objet tout de suite. Non, non, ils te racontent leur vie, ils te parlent un petit peu de ce qu'ils ont bouffé à midi, et puis après ils disent « Oh tiens, au fait, voici ta récompense !» Hier, j'étais chez Adimozum. Il était sur Elden Ring, elle aussi. Pour améliorer ses équipements, elle utilisait une fleur de muguet. Comme ça, j'en ai plein. Mais je peux pas les améliorer. La quête? Je sais pas, elle m'a pas donné de quête, elle m'a dit « Tiens, voilà une méduse !» Retourne la voir. Ah bon? Ouais, je suis allée la voir, elle m'a donné la méduse et après elle a répété son truc, alors je suis pas retournée la voir. Bah en vrai, ça par contre, je viens de me rappeler un truc, c'est que depuis que j'ai tué Godric, ça commence à faire un moment, pas du tout retourné à la table ronde. Meilleur. Je fais éclater. Ouais, je pense que là, je peux pas.
faut devoir regarder pour plus tard. Non, non, j'apprends, Wolf. Excuse-moi de jouer. Salut, parasite diffuseur. Alors... je vais tester mes invoques, mais j'ai à peine le temps de les faire. Je vais retenter... je vais tester mon autre invocation. Avant. On va en tester encore une autre. Après, on se tire. Des trucs de fou. Super. Moi je vais crever. Hein. Allez maintenant faut taper le loup maintenant. Parce qu'il était méchant avec vous. Hein. C'est à chier les gars. De cercle improbable. Quand tu veux gars, hein, que tu te fais des dégâts. Voilà, c'est super là mec, continue, t'es vraiment fantastique. Je me dis, c'est important dans le jeu. Mais elle m'a donné la bédue, je pouvais pas savoir qu'il fallait encore que je lui raconte ma vie. Je comprends pas pourquoi, il y a pas tout qui vient d'un coup en fait. Non, non, faut lui parler 40 fois. Comme d'Animal Crossing. Hésitez alors, parler plein de fois. Mais ouais, mais c'est super casse-couille en fait. En quoi c'est amusant? Je vais juste spammer un PNJ 20 fois pour être sûr qu'il répète 15 fois la même ligne de dialogue. Ça m'énerve. C'est débile. C'est débile. Je sais même pas où elle était l'autre casse-couille là avec sa méduse. Méduse qui m'a servi à R en plus. Pas du tout. Voilà des ruines peut-être? Non, c'est la sorcière qui m'a servi à rien. Non, c'était là. Je me dis quelque chose. C'était genre... non, ça c'était autre chose. Et les marchands. Valier Bernald. Sacré Bernald. Pas Bernald, mais moi j'aime bien le prononcer comme ça. Moi à la table. Ah ouais, elle est à la table. Mais je lui ai parlé à la table en plus. Je lui ai parlé. Et oui, il fait un gros fuck à la gravité. Oh, il fait un gros fuck à tout. Il fait un gros fuck à ma maman aussi, j'ai l'impression. Ah mais c'est tout sombre, regardez. Ah, des méchants, attendez, des méchants. Ah, des méchants. Je me fais même tuer dans le lobby. Fais chier. Enfin, un truc tout bugué qui fait après la danse des claquettes sur mon cadavre. Gagné. Non, je cherchais du pain. J'ai fait un faux mouvement. Je me suis bloqué le dos. Voilà. C'est le mec qui part jamais qui est contre un mur. Ah bon? Bah super, déjà que je le trouvais pas très sympathique. Bah ça risque pas de changer avec un tel comportement. You, 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 you. Voilà, reste là, c'est bien. Super. Ah, c'est bien!
J'ai plus de... J'avais plus... Putain, j'avais pas fait gaffe, j'avais plus d'endu. Pourquoi on m'attaque là? Pourquoi on m'attaque dans le lobby? Par contre, j'ai remarqué un truc, j'avais pas de... J'avais qu'une popo, c'est normal? T'as capé ce truc là? Mais c'est que à l'épée, je suis nul. Je devrais pas le taper à l'épée, mais il est tellement beau collé à mon cul tout le temps là. Tu as ta vie, te suis, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Regardez, j'ai que deux popos et une de chaque, ça chie. Ouais, t'as ta réponse. T'es dead, la dégage! Pourquoi ça me rend d'être toute dégueu? Tony Major abattu. Super, mon balance. Mon balance, qu'est-ce qui s'est passé à table ronde? Regarde. Mais attendez, il y avait des trucs à faire! C'est moi. Ah oui, d'accord! Main grippée. J'ai eu cassé la gueule à l'autre là. Bon, c'est ça avec ta méduge! J'ai plaisir de vous voir. J'ai pas encore trouvé ma place dans cette histoire. C'est le message du forgeron. Ah, c'était à lui! C'était à elle, pardon. Ah, mais je lui ai parlé il y a très longtemps en vrai. Voilà, donc faut que je lui parle. Il dispose effectivement d'un talent pour l'harmonisation spirituelle. Ah, oui, c'est vrai, je me rappelle que tu m'avais dit ça. Ah, plutôt, je me suis dit, ouais, c'est. Un peu de la flûte, mais en tant qu'astrologue, c'est le genre de magie qui me parle. Harmonisation spirituelle. Et voilà, et du coup, elle me parle. Voilà, elle va demander à l'autre de l'instruire. Et moi, j'en ai cure. Par contre, c'est vrai que. Au peu de dés. Those who live in death fall. Their mere existence sullies the guide. And so it is the vermin must. Les incantations, bah moi j'en fais peau. Moi j'en fais peau des incantations. Bonsoir, TT0710. CG par un PNA. Le briser, c'est possible. Je sais pas ce que c'est un PNA en fait. Voilà. Ah, pas de toi, toutes ces méchantes! Comment je retransmets le message au forgeron alors? Regardez-vous, je vais raconter l'histoire, celle d'une héroïne qui a vaincu sa cible. Ouais bah récemment c'est celle d'une héroïne qui rentre un petit peu avec cul entre les jambes. Un pacte de non-agression. Par rapport à qui? Et bonsoir. Application des centres de guerre. De toute façon, j'en ai pas qui m'intéresse. Bon, je peux lui vendre des trucs. Je peux améliorer aussi. Ah, elle a des armes, il me faut juste. Piste de force, il y en a certaines que je pourrais peut-être utiliser en free. Ah non. Attends, attends, attends. Mais j'ai une hallebarde de chevalier plus fuite avec des cendres de guerre, mais c'est fou ça! On ne t'est même pas rendu compte, c'est dingue hein. Le fouet, je vais pas utiliser le fouet. Quoi ça? Pour ça j'ai envie de la garder juste pour la collecte, mais en vrai je n'utiliserai jamais.
J'ai des armes stylées, je les garde parce que je les trouve stylées, mais je peux en rien en faire. C'est trop déprimant là. Il me faut full. La table ronde. Mais comment ça impacte de non-agression? Moi je me suis fait agresser. Et moi j'ai agressé personne. J'ai rien fait. Et tout ça, ça... Merci Kenta. Et tout ça, ça ne m'aide pas beaucoup quand même. Du coup je vais tout péter. Des bisous Wolf. Bonne nuit. Passe une douce... un doux vendredi. Faut que je fasse dodo au feu. Oui non mais d'accord quoi, please. Voilà, c'est ça, moi c'est ça qui m'énerve, c'est que bah, c'est des trucs que tu peux pas deviner en fait, sauf si t'es habitué au Souls. Ça m'énerve. Ouais. Oh la dépouille royale, oh ouais. Ah j'avoue, par contre j'ai été plein de trucs grâce à lui, mais je vais pas pouvoir les mettre parce que ça va être ultra lourd évidemment. Et du coup c'est super. Oh il est plus nul en tout, je suis deg. Faut que j'aille de toute façon parler au forgeron pour m'améliorer. C'est qui toi? Non vous. Mince, j'ai passé, je voulais pas. On fait connaissance à Valorage. Ah oui, je me rappelle. Ah, oui si, il me servait à rien Valorage. C'est ceci, Godric. Machin. Je suppose que c'est vous qui l'avez vaincu. Bon usage. C'est pas son coutume de fouiller les cadavres. Moi si hein. Et je m'en merci. Ah non mais il faut que j'arrête de faire A. Ah, au fait, j'ai rencontré mon père adoptif. Pourquoi tu me parles de ta famille, ça va pas, non? Bonjour, je vous prie de la table ronde. Merci, STI 1719. Merci pour le follow, c'est très gentil. Voilà. Une perle. Ah, je vous offre une perle. J'ai pas de perle. Mais j'essaye à chaque fois. Hein. Je suis sympa, moi j'offre tout. Bonjour à tous, bonjour à toi. Merci pour le follow, c'est très gentil. Et qui vient de pas du tout quitter, ça te réfléchir. Mais non, mais ça te... En fait, non, je suis pas d'accord. Parce que c'est pas logique. Typiquement, pour débloquer les invocations, il fallait, sans aucune indication, que je dorme à un feu de camp en particulier la nuit, et à cet endroit-là, il y avait une sorcière qui spawnait et qui te donnait des incantations. J'ai dormi à ce camp-là, mais deux jours. Et après, on m'a dit plein de fois, mais t'as loupé un truc, t'as fait n'importe quoi, machin. Non, c'est pas, il faut réfléchir. Je suis pas d'accord vu que c'est pas logique. Et qu'il faut tester plein de trucs au pif, en espérant tomber sur le bon truc. Et ça, pour moi, c'est pas intéressant. Je vais sans éclair. J'en sortais bien, je m'appelle Mia. Comme là, le fait de devoir aller se reposer, mais je n'ai pas de temps. Le tressail vous souhaite la bienvenue. Ancienne racine de l'ordre d'or, origine de toute terre, maître de la glace douce des deux joies. Et à ce qu'il soit brisé, j'ai pas eu le temps de lire. La corruption tragique de l'ordre a laissé ses séquelles. À travers les royaumes, la vie est affreusement déformée. La misère est d'infamie. Mais la volonté suprême n'a pas abandonné le royaume ni la vie. Ainsi donc, la grâce quitte les sans éclats, brave sans éclat, pour devenir restaurer l'ordre. J'aurais pas dû te parler. Oh non, je vais toucher la grosse main dégueu. Oh. Ah super, j'ai bloqué une émote. Alors ça, c'est bien. Beaucoup de chance aussi quand c'est ta première. Mais c'est ça! C'est ça aussi, c'est qu'il y a de la chance. Et bon, bah moi, je suis pas habitué aux sous, donc peut-être que pour certaines personnes, ça paraît complètement logique, certains fonctionnements, mais quand on n'est pas habitué, bah, je vous avoue que non. Non, pas logique.
comme le fait qu'un PNJ il faille le spammer de Y pour pouvoir avoir toute sa tirade en entier. Ce qui est complètement contre-intuitif. Complètement illogique même. Hein. On dira, est-ce que c'est plus logique qu'un PNJ répète sans cesse son dialogue? Je sais pas, mais de toute façon il finit par le faire. Voilà, c'est bon. Est-ce que ça m'a débloqué un truc si tu es Godric? J'ai ces deux doigts, vous avez été accordé. Ah mince, je nomme Gideon. Oh salut Gideon! Pas Gideon, je veux dire Gideon. Plus sans éclat, j'ambitionne. Venir devant des trucs. Je suis donc en quête de perpétuelle connaissance. Oh, j'ai débloqué des bouquins. Vous nous arrêtez sans faille. Tu as peine de... Il a à peine de se présenter à moi. La première fois, il m'a dit dégage. Il est temps que je sois loyal. Je suis d'accord. Que votre égal, permettez-moi de dévoiler quelques informations. Nous sommes en date avant, comme ils sont à cacher. 5 d'entre eux. Ah! En tête à Malenia et sa putréfaction, les auteurs du sauvage de Célie. Prêteur Ricard, seigneur du manoir du volcan. Un monstre, Morgoth, est touché par la grâce monarque, seigneur de l'Aniel, Rand, la pleine lune et douane de l'Académie Raya Lucaria. Ah, j'ai hésité ça. Oui, je cherchais ces runes majeures. Ça, c'est un peu emballé, on dirait. Étant son maître, j'aimerais vous exprimer mes regrets. À présent, je n'en ai plus. On est fini de lui. Godric, bah j'ai déjà Godric. Oui, je savais déjà. Par contre, j'ai invocation, ouais, tu peux facilement louper. Mais la Roderica, elle m'a dit qu'elle voulait. Bonjour, on lui apprend l'harmonisation spirituelle. Mais je pensais qu'elle allait y aller. Elle est à côté. Je veux dire, c'est pas très logique. Elle a deux pièces. T'as parlé en forgeron? Bah oui, je lui ai parlé. Mais moi, je pensais que... Voilà, quand t'as PNJ et à côté d'un PNJ, elle dit « Je voudrais apprendre son art. » Bon, bah, c'est pas très logique de se dire qu'il faut que j'aille parler à l'autre qui est à côté pour lui dire « Eh, en fait, elle veut ça. Eh, elle a répondu « Ok. Eh, tu veux bien faire ?» Non, c'est pas de la logique. Vu qu'elle était, en fait... Je pensais que, justement, vu qu'elle était à la table ronde, ça voulait dire qu'elle allait aller voir le forgeron qui fait jouer plus tard. Moi, j'ai compris ça comme ça. Donc non, voilà, encore une fois, ça pour moi, moi j'ai interprété ça comme je suis venu à la table ronde pour parler au forgeron. Pas, je suis à la table ronde mais je suis à côté du forgeron mais tu peux lui parler à ma place. Donc voilà, c'est ça m'a pas paru, non, ça m'a pas paru logique, désolé. Je devrais lui demander la prochaine fois quand j'aurai besoin d'infos plutôt, parce que là je vais pas retenir. Trop timide, please. Did you need some... Attendez. Did you need something else? Ouais, je croyais que j'avais entendu un accent. Mais que nenni. C'est bon toi, hein. On va développer. Je demanderais donc à Maître Hung Hug de m'instruire. Est-ce que c'est bon ou est-ce que ça veut dire qu'il faut que je parle à l'autre pour qu'il aille la voir? Et qu'elle lui parle après? Je sais pas qui c'est Maître Hog, mais c'est un mec d'ici, hein. Plus j'ai compris le genre de la meuf. Un couple se dispute. Moi ça me fait penser à quand tu as une dispute entre frères et sœurs. Maman, tu peux dire à machin de me passer le truc? Machin, tu peux dire d'aller se faire foutre? Moi ça me rappelle surtout dispute de frères et sœurs. J'ai déjà parlé au forgeron. Déjà de retour. N'importe, on va voir vos armes. Oui, je vais faire ça. Ah ouais, j'avais pas vu. Ah, faut que je lui reparle encore. Oh non, mais ça m'énerve. Hein. J'ai perdu la raison qui accepterait de rester aux côtés d'un monstre difforme. J'ai rien à faire d'autre que forger. Oh, ça va, elle est pas si horrible. Meuf qui comprend rien. C'est ce qu'elle souhaite. Je refuse d'y croire. Mais elle va lui parler au bout d'un moment. M'emmerder là. Je vais renforcer mon arme, moi. Je peux pas... Bah non, parce que j'ai pas assez de runes, mais c'est pas grave. Je vais prendre des runes.
Et surtout qu'elle dit je vais aller parler à machin. Mais il faut quand même que moi je lui parle. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de composants. Peut-être renforcer mon épée des fois. En vrai, j'ai jamais renforcé. Voilà, renforcé. Ça va faire plus de dégâts que mon vieux bâton tout pourra. Non, faut que tu parles à Roderica ou aller dormir. Ah, peut-être que j'aille dormir du coup. Elle m'a redire la même phrase. En attendant, tu bosses pour un Twix géant et poil. Ah, c'est bon et Twix, bon pas avec des poils. Hein. Je peux pas dormir ici, on est d'accord. Sauf avec la meuf qui va me voler ma vie et voler mon corps. Tu peux ? Ah ouais ? Peut-être si je me mets devant le feu de camp. Faire la table ronde. Me reposer. Ah ouais ! Je me repose par terre. Un site de grâce géant. Incroyable ! Trop de guerre. Des fois, je regarde ce que je peux faire avec ces cendres. J'ai jamais rien d'utile. Alors bon, bah je fais rien. Enfin, j'avais largement, j'avais assez pour monter le niveau de tout à l'heure et j'ai tout perdu, j'y pep. Passer le temps jusqu'au matin. Pas pour côté de la table. Mais oui, non, mais je suis d'accord qu'on peut se reposer là. Mais par contre, là. Voilà, on peut aussi. Ah, mais là, on peut pas. Ouais, on peut être à côté, mais pas dessus. Ah, ça, je comprends ça. Ça, j'entends ça. C'était toutes vos chaises. Alors, elle est où l'autre? Elle est plus là, super, elle doit être avec le forgeron. Voilà. Ah, c'est Didi. Mais c'était pas ouvert cette porte avant. Qu'est-ce que ça fait? Tu as buté? J'avais pas remarqué votre présence. Voilà, en perdant de voir. Je dois avoir vos armes. Mais c'est ta foutue de la gamine là. Vous n'étiez pas adressé. Je suis peut-être prisonnier des sans éclats. Mes prières ne partiennent qu'à mon cul. Dis ce que j'avais à dire, j'aurais également tout fou. Et Roderica, t'en as fait quoi? Elle est vraiment douée pour l'harmonisation spirituelle. On me dit tout ce que c'est. Je suis redevable à une harmonisatrice spirituelle. Moi que je puisse faire pour lui rendre hommage. Désolé d'avoir douté de vous. Ok. Et t'en as fait quoi? Fallait pas la forger la gamine, hein? Il a forgé la gamine. On fait passer le temps, je crois. Sérieux, mais... Alors désolé, mais encore une fois, ça m'emmerde. Ah oui, il y avait un truc à faire. Il m'en fallait deux, des clés, machin. Ah, on va aller voir, on va aller voir. Elle est peut-être déjà revenue. Elle est peut-être déjà revenue. Ouh. Il y a la tempête dehors. On va faire un petit auto. J'ai pété la chaise en dormant. Elle est là. Ah, j'ai pas vu. Elle vient de passer juste devant. Elle est où? Ah, c'est ça? Ah, c'est ce machin là. Bien de vous voir, merci à vous. Vous remercie, n'est-ce pas?
Je m'enseignais le noble labeur de l'harmonisation spirituelle. Oui, bon, bah, vous m'emmerdez avec ces mots qui veulent rien dire, là. Bande de vendeurs de gris-gris. C'est quoi l'harmonisation spirituelle? Ah, c'est ça pour améliorer, bordel! Merci, hein. Bon, tout pété. Vas-y. Montre-moi ce que t'as, gamine. Alors, le muguet mortifère. Moi, j'aime bien les loups, je vais améliorer les loups. Oh, ça coûte une blinde, hein. David Goudenov. Ah, ce genre d'utilisation multiple. Non, pas équipement, frère. Bon, ça, j'espère que ça va être une amélioration plus utile que celle de mon bâton. Alors, qu'est-ce qui doit être bien à part ça? En vrai, j'utilise eux. Non, non, je sais pas eux que j'utilise. C'est eux, c'est les semi-mains que j'utilise aussi. J'aime bien les semi-mains. Je vais améliorer. Prendre des trucs. Pour moi, c'est ici les semi. Trop fort, Rally, les loups. Mais les loups, ils sont bien, mais les... quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin d'avoir peur. Le problème, c'est que les loups, c'est pas rare qu'ils attaquent un peu au même coin. J'ai un peu moins ce problème avec les semi-humains. Du coup, bah, j'aime bien les deux. Quand j'ai besoin de d'avoir du multi-ciblage. Après, les loups me demandent moins. Bon, on verra quand j'aurai pas, quand j'aurai d'autres runes. Merci beaucoup pour l'info que j'aurais pas trouvé solo. Merci, vous êtes tout. C'est vrai que ça va tout changer pour le loup qui me pète la gueule. Franchement, on va tenter. Et où j'étais où en fait moi? Église. Grande porte de l'académie. De la classe de l'école. Je suis derrière le cas. C'est la salle de la classe d'école. C'est forcément ça. On va refaire les loulous. Pas les le loulou. Mon balistique. Mes invoques, c'est pas les bonnes. C'est où? Inventaire. Pas du tout. Y. C'est là. Là, je suis Y. Semi-humain. Et les loulous. C'est bon. I've got my good evocation. Là, je vais faire les loulous tout de suite. Vas-y, loulous, faites des trucs. Apparemment, vous êtes trop fort maintenant. Ah! Voilà, comme ça. Faites totalement des trucs comme ça. J'avoue, ils prennent beaucoup moins cher. J'avoue, ils prennent beaucoup moins cher. Ah, c'est faisable, là. Ah, c'est faisable. Ah, ça me gratouille ma tête. Ah, plus fort, ouais. Ah! Je l'ai vu aussi. Mais ils risquent de se faire frapper plus qu'ils ne vont frapper. Parce que je pense que leur vitesse n'est pas améliorée par contre, ce qui est bien dommage. Ah, arrête! Je cours là. J'ai de la truc à récupérer. On va... Non! Mais...
sont mes runes. Voilà. J'essaie de les récupérer, je pars ici. Je vais retrouver au même endroit. Un petit peu d'aide. Vas-y, loulou, faites des trucs, s'il vous plaît. C'est pas solo, mais c'est pas solo. Moi, je vous serai pas solo. Ah ouais, ils font beaucoup plus mal, j'avoue. J'avoue, ça, c'est de l'invocation, là. Oh, vas-y, les loulous, vous êtes trop forts. Je fais le temps d'esquiver, mais on était presque là. Perdu un niveau entier du coup, j'ai perdu 13 000. C'est un level, je pars de l'eau, tiens. Ah, même l'eau est amère. J'ai pas lavé le verre depuis un moment. Ça va le faire, ouais, presque. Mais ça, le presque, je sais vachement bien faire, le presque. Non, mais pourquoi, pourquoi je fais ça? Ah! Cours. Oh merde, je vois pas où c'est. Arrête là, c'est bon, arrête de me coller. Bien esquivé, j'ai pas réussi. De plus en plus presque, hein! De plus en plus presque! Bon, mon corps à corps, est-ce qu'il y a sur un tel? Bah non, j'en ai trouvé absolument aucune d'arme au corps à corps que je pouvais équiper qui était liée à mon intelligence. À chaque fois, il me fallait soit de la force en plus ou de l'endurance. Pas de l'endurance, de la dex. J'ai pas d'épée magique. J'ai une épée lambda. Déjà que mon bâton, j'ai l'impression que mon intel ne sert à rien. Le bleu. Non, non, mais je n'en ai pas, hein. Je n'en ai pas. Je trouverai un pour mage. Pas de cendre, pas de bâton, pas de sort, et pas d'épée. Et ça, je l'ai compris, ça. J'ai compris que j'aurais rien. Arrête. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? J'ai pas récupéré ma sœur. J'en avais 1000. Et de chevalier trotte se trouve un manoir de carrière. Oui, mais je demande pas ce qu'on me dise tout non plus. C'est gentil. Mais c'est que ça veut dire qu'il y a qu'une seule épée, quoi. En gros, qui me serait utile. Là, il y a une épée d'un tel. Donc, moi, j'y en a masse. Ouais, je vois ça, ouais. Ouais, je vois ça qu'il y en a masse. Merde. Dans fabrication. Inventaire. Voilà. Donc ça, c'est tous mes trucs mages. J'ai de l'intel, mais il me faut de la force. Puis de cristal. Ouais, après, voilà, tout ça, c'est des trucs de mages, hein, comme on peut le constater. Et puis ça, c'est les milliards de bâtons que j'ai trouvés. Donc il y en avait deux, en fait.
de mage. Ça, c'est mes équipements de mage hein, que j'ai trouvé en masse aussi. Hein. C'est mes gants de mage, j'ai trouvé en masse. Et au niveau cendres de guerre, on les voit pas. Ah si, voilà. Ça, c'est toutes mes cendres de guerre de mage que j'ai trouvé aussi. Utilité à une majeure, ça devrait aller. Je sais pas comment l'activer. J'ai pas trop compris ce que c'était. Mais non, je suis pas de mauvaise foi, j'ai rien trouvé, c'est vrai en fait. Tu me dis, il y a masse truc de... Bah ok, moi j'en ai pas eu masse du tout. En fait, je... Et même dans cette académie de mages, je trouve enfin quelque chose. Mais vraiment, les armes, j'en ai pas vendu beaucoup depuis le début. J'en vends quand même à force. Surtout les armes à deux mains. Je sais que j'ai pas les utilisées. Et sinon, les cendres de guerre pour tout quoi que ce soit, j'en ai pas vendu. Mes équipements, j'en ai pas vendu. C'est pour te dire que là, tout ce que j'ai trouvé, c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Les armes à deux mains pour mage aussi. Ça va être chiant en fait de devoir constamment... Enfin je sais pas, c'est à dire que niveau endurance je vais devoir beaucoup l'augmenter, je sais pas si c'est worth. Je l'ai augmenté hein, quand même, ça se voit. Mais je pensais qu'il fallait après s'arrêter. Et je pense qu'avec une arme à deux mains, bah je risque que vous êtes aussi assez squishy quoi. Peut-être que pour les invocateurs c'est bien, mais j'ai l'impression que pour les mages c'est pas mieux. J'oublie de faire mon invocation. Hein. Ils vont me coincer. C'est trop loin, je suis dégoûtée. C'est trop loin, je lui ai rien fait du tout. Je récupère pas, les gars, j'ai pas de temps. Moi je privilégie l'intel quoi. Monter jusqu'à 200 levels, dis-toi que tu vas monter un peu tout. Mais je sais pas si je finirai le jeu. Moi je veux surtout le truc le plus confortable actuellement. Je me doute qu'à terme on peut tout monter, mais je sais pas du tout si j'irai au bout du jeu. Du coup je cherche surtout un build logique pour le présent. Et pas juste me projeter en me disant ok j'augmente ça à fond pour le moment, même si là c'est chiant, plus tard ce sera bien. C'est quoi avant d'attaquer? Mais dès que j'attaque il me réagroupe. Donc je préfère surtout profiter des moments où il est loin de moi pour le faire. Merde. J'ai esquivé trop tôt. Et du coup je suis un peu tech. Tout à l'heure comme une connasse, j'étais bien gros par les loups, mais j'étais trop loin, en fait je lui fais zéro dégâts. Ça c'était mon talent. Allez là c'est bon. Mais des fois il fait tellement des gestes chelous qu'il se pense tout seul.
faut attendre un peu, hein. Mais non, 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 faut attendre un peu. Et puis en plus, la caméra qui bouge dans tous les sens et du coup, je peux pas voir. C'est terrible. Ah, c'est bon, ils l'ont tué pour moi. Mais Louis, ils ont tout fait. Ah ouais, tiens, mais Monique. Ouais, merci pour vos conseils. Je fais comme t'as dit en vrai. En vrai, j'ai laissé les loups, l'agro. Viens d'agro, du coup. Ouais, je suis. Merci. Oh, c'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci. Non, on va se reposer. J'ai gagné combien? J'ai pas du tout gagné assez. Oh, si, je peux level up. Mais du coup, est-ce qu'il serait préférable que je mette dans la force pour avoir une meilleure épée, quitte à ce que ce soit pas... Parce que j'ai des épées qui ont besoin de 10 de force. Je sais pas si elles sont bien après pour moi. Hein. Je devrais la monter un peu. Pourquoi? Alors. Non mais, je me trompe. En fait, il faut que je compare. Non. Voilà, ce sera mieux. Après, mon épée, je l'ai améliorée. Hein. Elle est plus 5. Ok. Du coup, celle-là qui a de l'intel. Elle a 31 de force, donc c'est... Si elle est améliorée, elle sera mieux. On part pour voir à quel point on mangerait quelque chose. Je vais augmenter un peu ma force alors. Je suis vos conseils. Hein. Et après, là on parle d'une arme qui améliore en plus 5 et une arme qui est en vanilla. Je vais m'équiper ta petite épée bleue. Parce que là, bah forcément, elle est mieux, mais elle est en plus 5. Alors que si l'épée bleue est en plus 5, elle serait sûrement mieux sur plein de trucs, non? Alors tu attends. J'attends quoi? Embêté. Dis des trucs et après vous me dites ou alors que tu fais autre chose. Que tu trouves mieux que ça. Mais ouais, mais... Augmenter ma force. J'aurais 10. 10 c'est un joli chiffre. J'ai raté. Je vais mettre un coup dans le truc. C'est tes propres choix. Mais vous me dites après qu'il faut faire tel truc. Moi, c'est pas mes propres choix. C'est les choix, en fait, c'est logique. Les choix du jeu. Vous qui avez fait largement plus de jeux que moi et qui ne cessez d'étendre votre connaissance et après, vous pouvez pas me dire en mode « Ah, mais... » Oh, c'est tes choix, c'est perso, tu sais, hein. Les choix des stats dans un jeu, c'est ultra perso, hein. C'est un truc, tu sais, faut pas chercher de la logique, c'est super perso. Ton gameplay, bah je suis mage en fait. C'est pour ça que j'ai augmenté l'intel. Dans ce jeu, tu peux tout faire. Non, mais moi, je veux être mage. je veux pas être archère par exemple. Et si vous me dites que bah, pour avoir une bonne épée, il faut que j'augmente ma force, je fais. Si vous me dites que j'aurais pas mieux en augmentant ma force parce que bah, il faudrait que j'augmente beaucoup trop, c'est rien de le faire. C'est pour ça que je vous demande conseil. C'est pas, voilà, c'est pas en fonction de mes convictions hein, que je veux augmenter ma... que je veux augmenter mes stats. Ça va être en fonction de ce qui sera le mieux. Pour jouer mage, quoi. Pas un choix de vie personnelle, quoi. Par contre, c'est sympa, hein. C'est joli, hein. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est encore un truc qui est dos à moi, là.
à bouffer. Rigolo un peu. Elle m'a forcé à lui faire un truc un peu sexuel en vrai. On dit prends un balai, tu prends un balai ? Baf. En fait, je cherche des conseils, je cherche pas à ce qu'on se foute de ma gueule. Mais bon, c'est pas grave. J'ai compris, je me démerde. La vierge de fer, elle est plus trop vierge maintenant, hein. Ah, je vais pas faire ça. Bon, je pensais qu'il se passerait un truc si elle se retournait, mais j'ai rien vu au niveau... plus discrète. j'ai rien vu au niveau du derrière. J'ai rien vu au niveau de son boule. Du coup... Oh mes loulous. On va voir, on va tenter des trucs. Beaucoup de spells. D'utile ? Non. D'utile, j'en ai pas mal par contre. Non, c'est là que je fais des dégâts. À peine. Dég. Ah oh, mais pour loulou, ils sont éclatés. Je vais te montrer après. Maintenant du coup les loups ils se défoulent sur les paysans quoi. J'aime beaucoup leur style. Oh, des filles. Alors, en vrai c'est surtout que j'en utilisais plein et j'ai l'impression que c'est très lent. Du coup j'utilise, en spell j'utilise le petit truc là que je trouve plus efficace. Puis ça, pour quand le mob est rapide et que du coup il a le temps d'esquiver, souvent il a pas le temps, enfin le temps qu'il revienne en place et ben ses projectiles l'atteignent. Et j'utilise ça pour quand il y a un groupe. C'est mes spells. Ils sont... Alors eux là ils sont en groupe là. C'est bien. Ça c'est vachement bien. Ça c'est rigolo. Bon, j'oublie un peu que je l'ai parce que j'avais que deux spells il n'y a pas encore très longtemps. Je peux en avoir trois maintenant. Joue, attaquez-le, il est vivant. Il y a ce. Oh regardez, il me fuit. Popo. Je tue pas. Alors. Oh mais non mais les loups. Ah il allait peut-être m'attaquer. Sinon bah j'ai acheté deux autres trucs mais je trouve vraiment que pour le moment j'ai pas trop eu l'utilisation parce que ça se prête beaucoup. Que ce soit le barrage de cristal ou la volée de cristal, et ben vraiment je trouve que c'est du gaspillage de mana. J'ai eu ça. C'est pas mal, mais ça demande un peu trop, je trouve, de mana, mais c'est pas mal, ça donne un coup dans le dos. Donc c'est peut-être ce que je mettrai en quatrième spell. Et ça que je viens d'avoir, ça attire un ennemi vers moi. Mais bah c'est pas très intéressant, parce que moi j'ai pas qui s'approche. On tue pas, mais non, on le tue pas, il avait demandé grâce. Moi j'aime bien quand on me dit non, non. On m'implore, moi j'accepte, hein. Je suis pas si cruel. Je laisse les gens m'implorer un petit moment, puis je les tue pas. Mais les loups, des fois, ils le font. Moi, j'ai pas acheté tous les sorts que j'ai vus. Ah oui, Clélem Pierre, c'est bien. J'ai croisé, du coup, j'ai vu une mâche à qui j'ai acheté des sorts, mais j'ai pas tout acheté parce qu'on avait. J'en achetais plusieurs, mais vraiment, on avait qui me semblait pas très très utile. Hein. Ah, il va m'attaquer lui, il a une épée, il va pas demander grâce. Vous demandez grâce ? Je suis des loups. Tant pis, hein. Tant pis pour vous. Oh, une graine dorée ! Ah, ils sont trop forts, mes loups. Eh, merci hein, pour vos conseils, hein, pour ça. Franchement, j'aurais pas su quoi faire. On voit des trucs super stylés. Ah, j'espère. Mais c'est pour ça que je veux me diriger vers l'Académie des Mages. Il y a bien des endroits où on peut trouver des sorts. Il mettait des images. Oh là là, il est tout. Allez, tout. Il est tout étincelant. Ah,
Ah, j'arrive pas à le taper, il est trop bas. Et je vise pas aussi. Ah, mais du coup, c'est comme si je tapais dans la pierre. Parce que des pierres avec la carolo. Oh là là, qui c'est ? Je veux ça. Moi, je veux avoir la même tronche que les autres là. Ah, même l'immunité à la magie est pourrie, en fait. Que bon, que le reste soit moins bien, j'accepte, mais... la vitalité et la résistance à la magie, tout pourrave. Moi, je garde mon masque de croco, là. En plus, c'est trop conformiste dans l'académie de mages d'avoir les mêmes trucs que les mages. Avec les passifs des items. Comment on fait ? Tous les passifs. À droite ? Non, à droite, c'est les statues du perso. C'est où ? C'est plein de trucs parfois. La description, c'est... Attends. Changer l'affichage. C'est ça ? Non. C'est pas ça. Un des masques composant de l'héritier Raya Lucaria. Les études reconnues augmentent l'intelligence au détriment de l'endurance. Mais ça, il peut pas le mettre dans les stats et ça augmente ton intelligence de combien ? Pas beaucoup, hein. 3. Le cursus Carolos est le plus ancien courant enseigné à l'Académie, engendré par Azur, sorcier qui se dévoie à l'étude des comètes. Les érudits qui empruntèrent cette voie cherchent encore à percer les mystères. Les mystères, en général. Marqué à droite, MDR. Oui, mais c'est que dalle ! Il me le met pas. Pourquoi il me le met pas là ? Il me met là. Oh bah c'est pourri. Arrêtez, m'embêtez pas. C'est pas très clair. Moi j'aurais fait mieux. Moi j'aurais mieux écrit les choses. De toute façon. Eux ils savent pas, ils sont trop. Voilà. Moi j'aurais mieux fait moi. Voilà. Un piège ici clap. Le clap clap. Ah putain. Non, attends. Mais mes loups ils se reposent. Je suis sûr, il est mort. Ah non, il se repose pas, il est mort. Une sorte de repos. Il y a un truc là, ça fait quoi ? Ça baisse pas ma vie, ça baisse pas mon endurance. Un truc là. Ah non, il fait dodo, il est pas mort en fait, mes loups ils vont bien. Pourquoi il fait dodo ? Ah c'est ça ! Il fait partie de la difficulté du jeu. Mode démerde-toi, ses formes se sont. Ah. Ouais. Mais moi c'est surtout que pourquoi, voilà, c'est des trucs aussi, des choix, mais ça encore une fois c'est la non-habitude de From Software. Pourquoi ne pas mettre, parce que, alors voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même vachement d'espace ici. Vous voyez, là où je suis, on me voit bien. Tout cet espace là. Pourquoi, cette petite description partiellement inutile, n'apparaît pas tant que j'ai besoin d'appuyer sur une touche au même endroit. Pour moi voilà, c'est aussi... Encore une fois, un manque de logique. Ou une volonté juste d'être plus compliqué de manière assez superficielle. Parce que pourquoi ne pas écrire toutes les infos sur ce bas de page complètement vide ? Tout, hein, y a un bas de page complètement vide. Hein. Pourquoi ne pas écrire la description là ? Et pourquoi te forcer à chaque fois à faire ça ? Pour voir d'autres trucs, pour avoir peut-être des infos, des trucs. Pourquoi ? Moi je trouve que c'est une difficulté superficielle. C'est-à-dire qu'on met un truc illogique pour que tu fouilles volontairement un truc voilà, qui est affiché en fait, mais ailleurs, juste en, voilà, en bas de page avec un petit astérisque, quoi. Et ça, pour moi, c'est voilà, c'est une technique de contrat verreux. Et du coup, quand on connaît pas, bah on pense assez bêtement que la description est juste du lore. Ce qui fait qu'on va pas checker à chaque fois. Au début, je check, bah après non. Et qu'il n'y aura pas spécialement d'infos intéressantes. Et du coup que toutes les infos seront cette page. David Coutenma. On pense bêtement que toutes les infos seront sur la page description quoi. Mais non. D'autres infos qu'on peut trouver ailleurs.
ta gueule. Ah oui. C'était pas pourquoi est-il aussi méchant? C'est pas Rémi Gaillard qui avait fait une campagne pour Orangina à un moment. Il y a genre 40 ans. Oh là, ils prennent tous. Attendez, attendez, j'ai de la magie pour vous. Ah putain, arrêtez, attendez. Oh là là, il me... trop énervé. Alors que j'ai rien fait à part... à part un peu tuer des gens. Ah, m'atteigne. Les loups, faites des trucs. Voilà, ils font leur flippette là. Vas-y, faites pas comme moi, attaquez. Vous êtes trop des flippettes. J'ai même une flippette, hein. Je me visais pas. Non, non. Je connais, je connais. Je vais prendre ma vie. Ok, d'accord. Non, mais tu peux pas y arriver, hein. Je vais être obligé de faire autrement. Parce que là, moi, ça me sonne à chaque fois en plus. Est-ce que si je vais là-haut, j'en ai un trou. Je peux passer. J'ai fini le jeu. Tout semble fade à côté. Ça me fait super chier. Quand t'as un jeu qui t'accroche de fou et que ça y est, t'as plus rien à y faire. Après, bah, c'est le genre de jeu qu'on recommence. Avec d'autres persos et tout. Plus pareil. Plus pareil. Ah non, on me vise de partout, c'est pas cool. Attends, arrête. Oh, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ah, ça fait super mal par contre. Et je comprends. Moi j'avais ça quand j'ai fini Breath of the Wild, quand j'ai fini Subnautica aussi. J'ai recommencé, mais c'était plus pareil. Alors j'allais sur les streams des autres et... en me disant, mais comment ils peuvent rater autant de choses? Ils sont nuls. N'est-ce pas, hein? Je m'embrouille toute seule. Ils sont où mes trucs? Et la ref plus Orangina. Tout à fait, tout à fait. Bravo pour la ref. Attends, 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 attends. Putain, je suis coincée. Ah, je suis coincée. Vraiment coincée. Ah, je suis trop paniquée, quoi. D'accord, je déconne. J'ai compris, j'ai compris. T'achèves ? Moi je t'achève. Arrête, attends, non, je te visais pas. Mais vise-le là. Moi je veux son bâton. De toute façon, on ne sait pas s'en servir, donne-le-moi. Non, je suis pas. J'ai pas fait mon invocation. Les petits pots. Non, je peux pas changer de ça. Menace. Bon, qu'est-ce que ça protégeait là? Un pot fissuré. Pouvoir faire une petite bouillabaisse. Fragment de vivre genre. Voilà, voilà. Bon, là-haut, je suis un peu emmerdée. Mais aussi, j'ai fait la connerie de. Ah, mais non. Ah, il est sorti par la bite, merci celui-là. Pour le follow. C'était 0. 710 plus 17. Attends, je remercie un follow. C'est beau, hein. Prendre le moment, prendre le temps d'admirer un petit peu, vous savez. Moi, je prends le temps. Follow phare, tout à fait. Bisous, Ryu. Rio. Merci pour tous les tips, c'est tout comme d'hab.
Je m'en fous. M'en fous de votre magie. Oh. Lame d'affûtage de pierre d'éclat. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, pas le croûte, hein, la lame. J'ai comme un laboratoire qui entend un paix. La lame d'affûtage de pierre d'éclat. Donc, Bernalou se lâche sur le live. Mais ici, j'ai pas de. Je peux pas. Ça fait longtemps, tiens. Voilà. Non, mais si, je viens. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Lui, l'autre. Non, l'autre, ça veut pas. Je peux pas viser. Atterrit dans son torse. Non mais pourquoi ça vise plus? Mais non mais pas... Mais... La... Oh, wow. La visée est chiante hein, quand même. Je vais essayer. Je fais ce petit potager. Franchement j'aime bien moi. Moi j'aime bien. Je dis ok. Oh, toi, je te tue, toi! La dominance, gars! Ouverture impossible de ce côté. Bah, c'est ballon! Parce que je suis de ce côté, en fait. Je vais monter. Voilà. Je monte les escaliers de manière très arbre. Monter les escaliers comme... Je peux même pas le faire. Porte que je peux ouvrir. Oh non, il y a le truc qui est revenu. Lame d'affûtage, c'est pour appliquer nouvelle cendre de guerre à tes armes. Tu scales ton arme sur l'intelligence, par exemple. D'accord, genre, ça crée une cendre de guerre. Mais moi, les cendres de guerre que j'ai, il y en a zéro qui concerne l'intel JPP. Oh bah ça me sert à rien pour le moment. Eh bien, je vais sur le toit, moi. Si je vais là, j'ai des soucis après pour revenir. En plus, ça me servira à rien. Moi, je vais. Qui servent à rien, j'aime bien moi. Ah, du coup, je suis là. Ah, oh oui, ça m'a bien servi à rien, ça, dis donc. Ça, c'est ballot, ça. Bon, ça m'a servi à rien, bah bravo. Qu'est-ce que je vais faire? Elle va me violer. C'est marrant. Non, c'est des... Je crois que c'est des épouvantails, mais non! À la nuit, ça doit s'allumer, ça doit être beau. Oh, le crabe, quoi. Pourquoi il y a des crabes? Des crabes de potager? J'adore l'idée. Oh, bon, je me promène là, j'ai pas le choix. Magie. T'as vu, j'ai plus de magie. Ouvrage, je fouille partout dans le monde. Mais j'ai fouillé le... Je fouille le monde, hein, je fouille. Mais je trouve des trucs pas pour moi. Or, c'est vachement sympa pour les autres. Du coup, je suis contente de me dire, ah, les autres doivent être contents, c'est bien.
Mon altruisme n'a de cesse de me surprendre. Mais bordel! Quid de Wham? Quid de Wham? Il sert à quoi ce renfoncement? Tu peux m'expliquer? Il y a même pas une petite table et des chaises. Ah, il est déjà minuit 7. 7 minutes trop tard. Oui, je peux pas, c'est vrai. Du coup, je devais explorer le toit. Elle est là. Je vais sur le toit. Bisous, petit Grisou. Ah, bonne nuit. Bah, de toute façon, je vais pas tarder aussi. Demain, il faut se lever. Ah, il est tout foufou. Il est tout foufou. Trop foufou. À chaque fois, mais c'est vrai. Oh, une échelle. Avant. Oh. Il y a la mort. Oh, l'autre côté, par contre, j'ai vu. Voilà, ça valait bien ma mana utilisée. Rune d'or. Let's go! Let's go, j'ai dit. Faut pas sur les toits avec une épée. Ça va, elle coupe même pas. Une épée de mage. Elle frotte un peu si on. Elle pique un peu si on frotte longtemps. Non mais j'arrête, je veux faire ça moi. On a plein de cages. Oh, un tri-tête. Oh là, il y a un truc. Ah putain! C'est pour ça qu'il y a des cages. Petit connard volant. Des cages, petit connard. Oh, il est fort lui. Tête, il est trop mort. Ah, ils vont me faire trop mal eux. GG petit connard. Non. Ah, je peux pas paniquer. Ok. GG, tu m'en fous, je te dis. C'était pile poil là où je voulais tomber histoire d'être un petit peu plus safe. Non, la VOD elle est beaucoup trop longue. Mais j'aime bien le jeu en fait, j'ai envie de continuer là, chier. Plus c'est beau. Bon, on se trouve à un feu de camp. Un campement, un truc. Et on arrête. Carreau météorique. Météorique. Théorie. Je peux descendre là où je vais décéder. 8 de ma survie. Ah, c'est ok. Venez. Il est sorti par la bite celui-là. The Dark Lican 80. La Dark Lican, mais 80. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Ah, bonjour à ton frère si tu le croises. Oh, c'est un connard. Bien que tu le détestes d'ailleurs. oui, oui. Tout à fait, je ferai ça, oui. Mais non, mais stop! Franchement... Bon passage! Bonsoir à toi!
Bon, je vais malheureusement devoir arrêter bientôt. Oh, il y avait un petit trou là. Mais c'est là où je vais de côté. Mais j'y rejouerai, je pense, samedi soir. Et du coup, je pourrais jouer plus longtemps. Moi, je vais là. Moi, je vais là. Les envies d'autodestruction. Je vais descendre ici. Je vais faire un joli saut. Je sais que je pouvais descendre du toit à côté, mais je trouve ça plus rigolo de prendre des risques. Ah là, une échelle. Y'a trop de trucs à explorer, JPEP. Et jamais je trouverai un feu de camp sur un toit en même temps. Oh, que les lames imprégnées. Waouh. Fais un petit saut de mulos. En tout cas, je loot un max, hein, vous avez vu? Pierre de forge, pierre imprégnée, à peu près tout. C'est-à-dire que ça gaze ici. Tout à fait. Les gens viennent en paix. Voilà. Hey. C'est le bande de crabes. C'est moi qui loot. Oh, je suis des crabes, moi. Sympa un crabe. J'aime bien les crabes. Je vais sauter de l'autre côté. Oh, c'est... même risqué, hein. Où maintenant? Je remonte et je refais tout ce que je viens de parcourir? Ça m'emmerde un peu, hein. C'est ce que j'avais prévu, j'avoue. Oh, je sais, sinon je couperai la VOD en deux. C'est ça. Je suis en de fou. Ouais, ouais, je... Et quelle heure? 14. Minuit 14. Il faut que je trouve un endroit où... Regardez. Côté là. Wouhou! Ah le lag! Ah le lag! Le lag de bâtard! J'en ai quand même moins depuis que je me suis mise en ultra, mais j'en ai un peu. Suffisamment pour que ce soit bien horrible. C'est-à-dire que je les oublie, je les anticipe pas. Il arrive pour me détruire. Tu sais ça, petit connard! J'en ai 9000. Je suis tellement à 1 milliard de kills. Il faut que je les récupère. Bon, je les récupère et je me tire, je m'en fous. Ah ! Bordel ! Mais c'est où là ? Mais vas-y. La vie me déteste. T'as rien que j'aime là en plus. Pas lui, pas ça, pas ça, toi.
Mathis, s'il te plaît. Oh, bâton d'éclat de l'Académie de Longbourg. Il y a un bâton de l'Académie des Mages. Oh, attendez, on va regarder ça. En vrai, il est pas du tout... Il est pas du tout... Ah, voilà. Je verrai. Je suis sûr que l'améliorer, il peut être guimbe. Non mais toi plus loin, espèce de bâtard! Ah, il me touche! Oh, je me suis trompé, je vais... Je vais juste prendre mon arme. Bon! En vrai, il y avait peut-être un endroit plus court où récupérer, mais je sais pas où. Vous se levez demain, tout à fait, vous se levez demain. Je suis occupée, non, je suis occupée, fais pas chier, je suis occupée. Allez, c'est bon, fin de live, bisous, c'était sympa, bye bye. C'est trop bien.